Quelques jours après le verdict des urnes, les chefs de plusieurs partis d'extrême droite se sont rencontrés ce jeudi à Bruxelles. But de la réunion, tenter de trouver un terrain d'entente pour fusionner les deux groupes au Parlement européen, Identité et démocratie et ECR, les conservateurs et réformistes européens. Identité et démocratie, dont fait notamment partie le Rassemblement national de Marine Le Pen, a obtenu dimanche 58 députés, ECR en compte de son côté 73. Au Portugal, le parti Chega aimerait que cette union se concrétise. Écoutez son leader, André Ventura. Chega is in favor of a big right-wing bloc, but first of all, Chega is an ID party member and we are happy being an ID party member. Mais l'union de ces forces d'extrême droite est plus complexe qu'il n'y paraît. Une question en particulier, le conflit en Ukraine a révélé de profondes divergences. Certains partis du groupe Identité et Démocratie, notamment le Parti autrichien de la Liberté, sont considérés comme pro-russes et opposés au soutien militaire et financier de l'UE à Kiev.